Salut Sacha, comment ça va? Ça va bien et toi? T'es de retour? Ah ça y est, de retour. Ta mission d'espion en Corée du Nord? Espion pas vraiment, j'étais bien annoncé, on n'y va pas comme ça. Ouais, bon alors raconte-moi en fait, donc tu reviens de quelques jours où t'as passé en Corée du Nord. Ouais. Et tu vas me raconter tout ça parce que c'est assez particulier en fait comme expérience. Comment est-ce qu'on prend l'idée et on met en place un voyage en Corée du Nord déjà? Bon déjà j'ai pas de fascination malsaine pour les dictatures et ce genre de délire, c'est juste que voilà, on entend parler, je pense comme toi, de temps à autre, de la Corée du Nord et des petites lubies de leurs dictateurs, puisque maintenant on en est quand même au troisième. Et voilà, j'ai eu passé pas mal de reportages, documentaires à la télé, c'est vrai que ça me fascine un petit peu, comment dans un monde où quand Ben Laden est mort, on sait au bout de... Je crois que sur Twitter, il avait fallu 10 minutes pour que quelqu'un mette des hélicoptères américains, donc la planète entière le savait en gros en 10 minutes. Comment est-ce qu'un pays comme ça peut être à ce point-là coupé du monde en 2015? Et j'ai fêté mes 30 ans en fait il y a quelques jours, et ça faisait plusieurs mois, je me disais je vais faire un truc hors du commun pour mes 30 ans. Pas forcément me mettre une caisse avec mes potes parce que ça, c'est fait et refait. Et peu à peu, la Corée du Nord, c'est glissé dans mon esprit. Je me suis dit, tiens, comment est-ce qu'on part là-bas? Et du coup, alors comment on part là-bas? Qu'est-ce qu'il faut préparer en amont? Parce que tu vas pas chez Go Voyage et tu vas pas demander un. Tu vas pas au Club Med et tu dis non. En fait, il y a une agence, l'agence nord-coréenne, un petit peu de tourisme, c'est eux qui centralisent tout ça. Il faut les contacter. Ils organisent des tours. Alors là, c'est un peu comme le tour opérateur du coin. Et puis là, il faut payer déjà. Pour donner un ordre de prix, on est resté 4 jours, ça coûte 1 200 €. Ouais. Voilà. Il faut prévoir aussi de l'argent sur place, parce qu'en gros, tout n'est pas payé. Donc je dirais qu'on est plus proche quand même des 1 500 à 1 600 €, donc ça fait une somme. Plus les billets d'avion. Faut payer les billets d'avion en plus, donc c'est un vrai. Voilà, c'est un coût quand même. Mais c'est une expérience particulière. Pour moi, ça les vaut tous les jours de la semaine. J'ai vécu quelque chose qui restera gravé pendant longtemps. Puis il faut remplir un formulaire. C'est une question très con. Ça fait penser au formulaire de l'ESTA pour les États-Unis. Ouais. Est-ce que vous avez déjà collaboré avec des nazis ou... Êtes-vous un terroriste Voilà, c'est avez-vous déjà dit du mal du grand leader sur Internet? Êtes-vous journaliste? Et du coup, est-ce que la France vérifie par exemple ces informations de voir qui c'est qui va par exemple en Corée du Nord? On te dit, c'est eux qui te le disent, si on vous demande où vous allez, ne mentez pas. Ouais. Voilà, et du coup, on s'en est tenu à ça. On a dit à 2-3 personnes, notamment parce qu'on passait par la Chine, au comptoir, à l'embarquement, le gars d'Air France se dit ok, vous allez en Chine, mais vous y restez, vous avez un visa? Et c'est non, je transite. Je lui dis vous allez où après pour savoir si je pense tout coller? Et je lui dis en Corée du Nord. Et il y a eu un arrêt. Ouais, tout à fait. Il dit ouais, c'est une longue histoire. Ouais. Donc, et puis ensuite, ils te donnent un visa, en fait. Alors, c'est marrant, parce que leur visa, c'est, je te l'aurais bien amené, mais ils le gardent. C'est une espèce de carte de touriste, en fait. Fait à la main. C'est d'un autre monde, d'un autre temps. Et on leur donne en arrivant. Et ils te la reprennent en partant, en fait. Donc, tu n'as aucune trace. Moi, à part les photos que j'ai. Il n'y a rien qui prouve qu'un jour j'ai été en Corée du Nord. Parce que justement, ça m'a un peu étonné, c'est que tant mieux pour nous et pour toi, c'est que tu as monté un Tumblr où tu racontes un peu tes anecdotes. Mm-hmm. Carnet de bord, c'est ça, .tumblr.com. C'est carnet de Corée du Nord. Ouais. Tumblr.com. Et que, bon voilà, moi je suis tombé là-dessus par hasard et j'étais assez étonné par cette aventure et j'ai surtout été étonné par le fait que tu puisses prendre des photos. Parce que normalement, ce que tout le monde dit, c'est que ce qui se passe en Corée du Nord reste en Corée du Nord.
Alors, et là, tu ressors des anecdotes, tu ressors justement des images. Ils sont vérifiés en amont ? Alors, depuis un an, les téléphones portables sont autorisés en Corée du Nord. C'était pas le cas avant, donc c'est vraiment tout récent. Corée du Nord, tu aurais très bien pu appeler ta maman, quoi. Alors, oui et non. Oui, parce qu'ils vendent des cartes aux étrangers. Marrant, ils vendent des cartes SIM aux étrangers. En fait, avec des forfaits pour les étrangers, ça coûte quand même très très cher. Hein. On est dans les $200, donc il faut vraiment avoir envie d'appeler quand même. Mais pas de nano SIM. Ouais. En fait, sur les iPhones, par exemple, ils n'ont pas de carte pour ça. Quoi. C'est trop avancé finalement. C'est beaucoup trop avancé. Non, c'est vrai, le Wi-Fi, ils ne savent pas ce que c'est. Ouais, parce que sur un téléphone, on est parti à 4. Sur des téléphones, il y a marqué sur l'iPhone. Connectez-vous à votre contactez votre opérateur ou connectez-vous au Wi-Fi ou iTunes. Wi-Fi ou iTunes. Et le douanier fait c'est quoi le Wi-Fi ? Je me souviens, mon pote lui dit it's internet over the air. Et là, il a. Parce que ce qui est assez marrant aussi, c'est qu'il y a une sorte de surveillance par rapport à l'information que toi tu peux donner de l'extérieur en Corée du Nord. Ce que tu racontes, c'est qu'il y a toujours deux guides. C'est ça. Et qu'une fois qu'un guide n'est pas forcément là, l'autre pose plein de questions pour savoir comment ça se passe, comment la Corée du Nord est vue de l'extérieur. Parce que c'est un problème aussi pour eux. Bah ouais, donc ils surveillent. Donc non, bah les téléphones, en gros, on peut les emmener. Pas de film américain, pas de Bible. Il y a quand même un Américain qui est en train de travailler depuis 6 ans parce qu'il a ramené une Bible en Corée du Nord. Donc ça, mais ça, ils te le disent avant. Hein. Donc c'est pas comme si t'étais pas prévenu. Il faut rien oublier dans les hôtels, ouais. Et pour ce qui est des photos, je suis en train de répondre à ta question, tu me l'as posée. C'est qu'on peut prendre des photos dans les villes. Pas en dehors à la campagne, on en a pris une par exemple deux, il y en a sur le Tumblr, il y en a une qui est d'une autoroute, celle-là on n'était pas censé la prendre, on l'a pris un petit peu en loose day. Et pareil, quand on a pris des champs en photo, ça n'a pas le droit, et ils vérifient quand même de temps à autre. Tu prends une photo, ils se mettent derrière, ils regardent un peu quand même, ils regardent quand même les photos que tu prends. T'arrives en Corée du Nord, t'as deux guides avec toi. Ouais. Ils prennent ton passeport, ils prennent tes informations, tes documents, ton argent aussi, je crois, non ? Non, en fait, tu peux payer avec les devises que tu veux. Ils prennent toutes les devises. Hein. Si tu veux payer, c'est le seul pays au monde où tu t'achètes pas, évidemment, mais je dis une connerie, je vais acheter un t-shirt souvenir, parce que oui, ils vendent des t-shirts souvenirs, si Yumi Pyongyang. Tu peux payer une partie en euros, une partie en yuan et la dernière partie en dollars. Ils s'en foutent, ils prennent tout, il n'y a pas de distributeur. Donc, alors là, aussi, ça m'a impressionné aussi. C'est le seul pays au monde. Il n'y a pas de distributeur automatique. Alors du coup, tu as posé la question au guide, comment est-ce que les gens concrètement là-bas font pour vivre ? Alors ça il l'explique, c'est l'État qui gère tout, donc il n'y a pas de magasin. C'est un truc très con, il n'y a pas de magasin. Donc en gros, c'est l'État qui te livre tout. L'État te livre la nourriture, l'État te livre tes vêtements, donc ils sont tous habillés pareil. Ouais. Ça c'est flippant. Ils sont tous habillés pareil, c'est l'État qui choisit un métier. Et ça, on l'a vérifié par nous-mêmes parce qu'on a demandé à la guide, justement, quand elle était toute seule, comment est-ce que tu t'es retrouvé à faire ça ? Moi, je voulais pas spécialement le faire. On m'a dit, en gros, tu feras ça, quoi. Et ça l'a passionné pas plus que ça. Ouais. Je pense que pour elle, d'ailleurs, c'était un vrai… Tu ressens qu'il y a un besoin, justement, d'indépendance, de liberté, ou sinon, ils vivent leur vie comme eux, ils la vivent, parce que c'est comme ça, leur réalité, elle est… Je vais pas sortir les références philosophiques, mais il m'en reste une petite, c'est celle de Platon et de l'allégorie de la caverne, mais c'est vraiment ça, quoi. Ils voient le feu devant, ils voient pas la lumière derrière, donc c'est facile pour eux, c'est le monde tel qu'on leur présente. Et j'ai le sentiment que mon guide s'en foutait royalement de savoir ce qui se passe à l'extérieur, il était bien là où il était, parce que Minoré, il a un niveau de vie qui est supérieur aux autres Coréens. La guide, je pense qu'elle était malheureuse et qu'elle voyait que le monde en dehors était autre chose. Et pour donner un petit ratio, pour vraiment se rendre compte de l'écart de richesse, parce que ça, on n'avait pas le droit de prendre de photos, donc on a vu des choses, on a senti des choses, parce que le tout à l'égout, c'est un truc très con qu'on a chez nous, mais on découvre que tout le monde ne l'a pas encore. Après, ça, c'est pas le seul pays au monde non plus. Mais entre l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest, le rapport de richesse était 1 pour 2. Ce qui est déjà beaucoup. Entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, c'est 1 pour 15. Voilà, donc c'est le Moyen-Âge en fait, ce pays-là. Et en plus, j'imagine que dans ton tour opérateur, tout ce qu'ils font, surtout en termes de tourisme, c'est de te mettre en avant la puissance du leader, de montrer la puissance de l'armée, et qu'au final, tu n'as pas trop de liberté aussi d'aller dans les endroits où tu veux aller. Non, tu fais pas ce que tu veux. Déjà, on t'impose le programme.
Et ce qui est pas plus mal parce que voilà, il n'y a pas de guide touriste, voilà. Ouais. Donc, bon, on t'impose le programme, mais sans jamais dire ce que tu vas faire. C'est-à-dire que si le matin tu demandes ce que tu fais l'après-midi, on te le dit pas. Ouais. C'est un truc de fou ça. Tu ne peux même, je vais aller même plus loin, si tu fais trois trucs le matin, tu sais ce que tu vas faire tout de suite après, tu ne seras pas ce que tu veux. On ne te dit jamais ce que tu fais après. Et on a visité des musées, bon, tous à la gloire, évidemment, tellement du leader. Et on a visité leur Louvre. Enfin, et là, et c'est là qu'on voit que bah, la culture, c'est-à-dire que leur Louvre à eux, c'est des peintures. Déjà, le musée minuscule. Pas imaginer un truc de dingue, hein. C'est ridicule comparé à leur musée de la guerre, où c'est Disneyland. Et en fait, toutes leurs peintures, c'est-à-dire ils peignent super bien, mais ils reproduisent en fait. C'est comme s'ils reproduisaient des photos, mais super bien pas. Hein. Ils font un ours par exemple, l'ours, on croit que c'est une photo, donc ça c'est génial. Mais il n'y a pas, chez nous, je sais pas, l'art c'est vraiment pas mon truc, mais voilà, il n'y a pas d'impressionnisme, il n'y a pas d'abstrait, il n'y a pas de Picasso, pas de machin quoi. Donc tout tourne autour vraiment du leader. Et c'est vrai que le dernier jour, on avait qu'une hâte, c'était d'en finir parce qu'on n'en pouvait plus des musées. Et on a eu envie de dire au guide, parce qu'on avait pris un petit peu quand même la confiance et tout. Franchement, venez, on va dans un parc, on fait autre chose, quoi. Juste détendre tranquille les gars. Quoi. Et on l'a pas dit, aucun nous l'a tenté. Ouais. Parce que non, on l'a t'as pas eu, t'as eu peur à des moments ou pas? L'appréhension des incertitudes. Alors je vais pas faire le grand, j'ai eu un gros coup de flip dans l'avion à l'aller avant de partir, parce que déjà pour la première fois t'es confronté à des vrais Nord-Coréens, donc tu les vois avec les petits pins et tu te dis putain là on y est quoi. Et puis c'est un avion qui en plus dans des listes noires. Voilà, Air Koryo, un Tupolev. Ouais. Mais bon ça on l'accepte quoi. Franchement je me dis si ça doit finir. Enfin, c'est con, je me dis pas non plus je veux pas que ça finisse là, mais j'ai à un moment donné, j'ai. Voilà. Peut-être au retour, quoi. Au moins j'y vais des 4 jours. Il faut y aller, il faut y aller. À un moment donné, on y va ou on n'y va pas. Quoi. Mais dans l'avion, en fait, ils font des économies de tout. Et du coup, là où toi, tu vas rentrer dans un avion EasyJet, Air France, et tu vas voir la clim avant que l'avion démarre, eux, il n'y a pas la clim dans l'avion. Donc, t'es 15, c'est vachement lourd. Déjà, t'es dans l'avion. J'étais angoissé. Il faisait 30 degrés dans l'avion. Il est nord-coréen à droite et à gauche, t'as déjà la musique du grand leader avec les karaokés géants, tout truc, tu commences déjà, et là j'ai eu une montée, j'étais pas bien, j'étais comme ça. Et l'avion après il décolle et là tu te dis bon. Et quand t'es en l'air, bah tu vois que c'est des militaires en fait, et je pense que c'est un militaire qui pilotait, parce que tu dis pas je vais devenir pilote de ligne, je pense. Et il met pas le pilote automatique en fait. Là où nous on a des codes dans l'avion, toi, ouais. Tu sais qu'un virage c'est comme ça. Lui son virage c'est comme ça quoi. Ouais. Mais comme il n'y avait pas le pilote automatique, toi t'es habitué maintenant à faire ça. L'avion il fait. Attends, j'ai dit on n'y arrivera jamais. Ouais, c'est bon, là que j'ai vraiment flippé. Grosso modo, ça fait quand même un peu Disneyland aussi avant ouais. D'arriver là-bas. Ouais, là j'ai vraiment flippé et la deuxième fois où ça a été quand même ça a été chaud et on voyait que là il rigolait pas, c'est on allait au Palais du Soleil. Et en fait, où sont exposés les deux dépouilles, un peu comme Lénine sur la place Rouge, ouais. Et les deux de Kim. Du père, là. De Soon, ouais. Et voilà. Et Jung, je les ai trop prononcés. Et là, c'est lunaire. On rentre dans une. Donc, déjà, on doit déposer les portables, les appareils photos. Là, il n'y avait rien. Et là, tu es dans un palais, fait de marbre, de statues en or, de. Aucune photo, rien. Donc, là, pour y aller, les gars, faut aller le voir en vrai. Et là, tu sais que si tu rigoles, tu meurs en fait. Quoi. C'est très con, hein, ça paraît un peu, quand je le dis comme ça, ça paraît abusé. Non mais là, tu meurs si tu rigoles. Ah oui, ça c'est le premier jour. C'est le deuxième jour. Deuxième, je me rappelle une anecdote que tu as fait ouais. Sur ton site où on te met devant la statue de Kim Jong 2, ouais. Je sais plus quoi, et que tu fais ton petit croisement de regard avec tes potes parce que forcément tu as une appréhension, tu as un truc, t'as un moment fort. Tu sais que tu dois pas rigoler. Faut pas déconner quoi. Sauf que le lendemain, tu refais la même chose. Mais là, t'es devant la dépouille des gars, quoi. Ouais. T'es dans une pièce, je peux même pas donner les dimensions, c'est pas une pièce, c'est un hall de gare bercé de lumière rouge, avec 4 colonnes énormes, et au milieu, cette espèce de sarcophage, etc. Et toi, tu viens, et donc t'es par ligne de deux, et tu dois t'incliner devant lui, sur les côtés, pas derrière, donc devant et sur les deux côtés. Il y a personne en plus, à part. Il y a la musique que soviétique qui passe à ce moment-là, et devant chaque colonne, t'as un soldat avec la calache. Et puis t'as mon pote devant qui, au lieu de tourner comme ça, marche en mode militaire et s'arrête et tourne net, tu sais, comme les militaires. Ouais, donc forcément, t'as un rigolé. Oh putain, la montée. Et là, t'es.
Et là, tu sais que tu rigoles, c'est fini. C'est fini. Ouais. Et là, c'est le moment où tu veux rire. Parce que la situation est tellement ridicule que. Voilà, et puis après, t'as la salle des pleurs, donc, où les Nord-Coréens viennent pleurer leur leader. Donc, tu vois des Nord-Coréens qui viennent et qui sont dans une salle, qui pleurent. Bon, après, c'est leur leader, c'est leur dieu, pourquoi pas ouais. Non, mais pourquoi pas? Ça se respecte. On fera pareil quand Zidane il va mourir, on fera pareil. Voilà, peut-être. Mais t'es au milieu de tout ça, quoi, et tu dis qu'est-ce que je fous là, il faut pas rigoler. Mais à ce moment-là, tu dis je fais quelque chose de fou là à ce moment-là. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est dingue. C'est sûr. L'anecdote la plus folle, le petit truc qui vraiment t'a scotché. Je l'ai mis sur mon Tumblr, c'est Mitterrand. Ah oui, raconte. Bah j'arrive, on arrive à l'aéroport, le guide commence à nous faire la discussion et on nous dit notre grand leader, notre cher leader, est très ami avec votre président. Et il s'adresse vraiment à moi à ce moment-là et moi tu vois je sais pas trop comment réagir parce que c'est vraiment la première fois que je parle avec les Nord-Coréens et là je vois la propagande parce que concrètement on n'a aucun lien avec eux, que ce soit Sarko ou Hollande, jamais il a pareil non pas. Je me dis putain c'est ce qu'on raconte, ça commence quoi et je sais pas quoi lui répondre. Je vais pas lui dire c'est un menteur, tu vois, c'est ce qu'on lui raconte. Et je fais ah yes, genre un peu gêné, je sais pas. Et il fait Mitterrand, c'est ça? Mitterrand, it's right. Et là je suis. Ah, il existe en quelques petits problèmes. Un petit. Non, il. Voilà, il est. Et tu lui expliques que c'est pas Mitterrand? Je lui ai dit que c'était pas Mitterrand. Ouais. Voilà. C'était plus Mitterrand. Mais pour lui, c'est ça la réalité. Ouais. C'est ça la réalité de la Corée du Nord. Et c'est plein de petits trucs comme ça. En fait, ce pays vit sur une guerre. Ce qui est fou, une guerre qui a quand même 70 ans. C'est comme nous si on vivait sur la guerre de. Parce qu'elle est la guerre 53. Donc 53, 45, c'est pas si loin, hein, mine de rien. Ouais. C'est comme si on vivait encore sur la. On fermait nos frontières et on disait on est fermé parce que l'Allemagne peut nous envahir 70 ans, 80 ans après. Et tout tourne autour de ça en fait. Et ils arrivent à maintenir le pays. Et c'est fou parce qu'en fait, il n'y a qu'une chaîne de télé. Et ça, c'est tout. La chaîne de télé ne diffuse que des images de guerre. On a vu que des images de guerre tout le temps. Tout le temps. Mais des images donc, qui datent de 53. Hein, donc, que ça. C'est les gamins, je me dis, tu vois, nous on a le truc Peggy 18, faut pas regarder de violence à la télé. Eux, ils expliquent. Tu vois des images, tu vois les corps de soldats américains morts en photo. Pour eux, c'est normal. Quoi. Un gamin de 5 ans voit ça. Quoi. Donc. Je sais pas comment tu construis ta vie d'adulte comme ça, mais ouais, c'est du coup le retour à la réalité occidentale compliqué. Tu t'en rends pas compte tout de suite parce que nous on est rentré en Chine, donc t'es quand même content d'être de retour. Bon, déjà tu retrouves un truc très con, mais internet, hein, parce qu'on a vraiment internet pendant 4 jours. Donc ça, c'est. On a essayé pas loin de la zone de démarcation, on l'a eu l'espace d'un instant. Donc ça, c'est un truc tout bête, mais. Voilà. Le vrai retour, c'est quand je suis rentré en France. On est arrivé très tôt le matin. Et en fait, je suis allé à mon supermarché du coin. Et en rentrant, dans le supermarché, j'ai eu un comme ça. qui est parti tout seul. C'était pas quelqu'un qui est venu, parce que je voyais de la nourriture. Tu ne te rends pas compte de la chance qu'on a. Clairement. La chance qu'on a d'avoir ce qu'on veut à portée de main là-bas. Ils nous servaient de la nourriture, on n'a jamais choisi notre menu, on prenait ce qui était en gros au menu. Quoi. La seule fois où on a voulu prendre quelque chose en plus, on l'a vite regretté. Mais, ah oui, c'est l'histoire du poulet à 80 euros. Il fallait le KFC aussi, vous êtes con. Ah ouais, mais je sais, j'aurais dit, Séoul c'est à 70 bornes les mecs, ouais, faites un effort, poussez un peu le car. Mais non, ça marche pas. Et c'est pas très bon, mais on voit qu'ils nous donnent ce qu'ils ont de meilleur. Et ils nous font croire qu'il y a profusion, alors qu'on sait qu'il y a une famine dans le pays et que ces dernières années, il y a quand même 1 million de personnes qui sont mortes. Quoi. Donc on le sait, hein, les pots qui arrivent à s'échapper de Corée du Nord le disent. Mais nous, on a manqué de rien. Mais t'as rien, t'achètes rien à côté en fait. En dehors des repas, tu manges pas, en dehors des. Voilà quoi. Alors c'est spécial et tu te dis comment vivre quand on est allé dans le sud à Quéton, on a fait 2 heures de route.
tu vois des villages au loin, déjà dans les champs en fait, ils sèment tout à la main. Ils ramassent tout à la main, il n'y a pas de tracteur. Ouais. Déjà, c'est hallucinant de voir des champs avec des centaines de gens dedans, quoi. T'as l'impression de voir d'être de retour à l'esclavage, quoi, concrètement. Tu sais, quand tu vois ces films d'esclavage sur les champs. Et... Ah, j'entends bien. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est les visiteurs. Et puis, tu vois des villages au loin, et tu te dis, ils vivent avec les. Enfin, c'est même pas les rats, quoi. C'est... Déjà, nous, quand on était à Caisson, on a dormi dans un truc. C'était une hutte, quoi. C'était une hutte, ça sentait mauvais. Il y avait une baignoire dans la baignoire, il y avait un trou dans la baignoire qu'ils avaient bouché avec un espèce de chiffon. La baignoire était noire, c'était du. Je sais même pas comment je pourrais définir ça. Et pour eux, c'est du standing, quoi. Mais t'avais déjà voyagé en dehors de l'Occident ? Ouais, j'ai fait Hong Kong, c'est pas vraiment l'Occident. J'ai pas fait de pays comme ça. Ouais, parce que par exemple, tu peux très bien aller à Madagascar, qui est un pays extrêmement pauvre. Effectivement, ça va être très différent de la France, de notre Occident à nous. Mais bon, je pense qu'en Corée du Nord, la particularité, c'est ce sentiment d'enfermement. C'est ça. Ce sentiment de hors temporalité, parce que d'avoir 100 personnes dans un champ, tu verras nulle part ailleurs qu'en Corée du Nord. Et ce qui est fou, c'est que quand tu es à quelques mètres de la ligne de démarcation, tu vois des champs avec les Nord-Coréens, les paysans nord-coréens, en fait, ils sont là entre les champs de mines, hein, parce que c'est vraiment ça. Toi, tu es dans ta voiture avec le soldat nord-coréen et sa calache, et tu vois les gars donc, qui récoltent et tout, et ils sont à 500, 600 mètres. Certains peut-être de la Corée du Sud, et alors tu te dis mais ils sont cons, ils traversent pas, donc, déjà ils comptent pas parce qu'il y a une démarcation de courage, mais surtout ils savent pas, quoi. Ouais. En fait ils pensent que de l'autre côté c'est la même chose, ouais. Et c'est ça qui... Et à aucun moment tu étais en contact avec des habitants au final. Ouais, ils ont peur de toi de toute façon. Ah bon? Ouais. S'il y en a, ils te regardent comme un animal bizarre, parce que t'es à l'envers, c'est quoi ce truc? Tu vois le gamin, il te voit, il se met derrière sa mère, il regarde ça. On a vu une femme, elle est re-rentrée dans sa maison de plein pied, elle a fermé la porte, enfin fermé la porte, ouvert la porte pour attendre qu'on passe. C'est peut-être ta barbe ça aussi. Tu rigoles, mais il y a personne tout se raser. Ouais. Ils n'ont pas la barbe. Ouais. Il n'y en a aucun qui est là. Non, tu vois que certains, c'est la première fois qu'ils voient en vrai, en chair et en os, les Occidentaux en fait. Et peut-être qu'on leur dit aussi de ne pas avoir de contact avec un occidental, et donc du coup ils ont peur parce qu'ils veulent pas être vus. Ah mais non, mais c'est sûr. Mais tu ne sauras jamais la réalité des choses. C'est ce que nous on voyait, c'est ce qu'on voulait nous montrer. Donc tu ne sais pas, tu ne connais pas la réalité de ce pays-là, et c'est pour ça que tu ne te permettais pas, même si à la fin, alors au gars, mais à la nana, tu sens qu'elle a des choses à dire et que tu ne peux pas lui demander. Parce que. Faut déjà, elle ne te répondra pas. Mais tu veux la protéger d'un éventuel. C'est con, mais tu dis que tu peux la mettre en danger juste en posant la question. Ouais. En fait. Et ça. Et tu peux te mettre aussi en danger, éventuellement. Ouais, ça, je l'ai moins pensé. Quand on n'a pas son passeport sur soi et on n'a pas ses billets d'avion de retour. Enfin, de toute façon, même s'ils avaient le passeport, Mais ouais, t'as rien. T'as les billets, ils gardent les billets de retour, ils gardent le passeport. Donc, tu t'abandonnes en fait parce que t'as pas, tu vois, ta carte, là, tu fais pas. T'as pas de téléphone. T'acceptes pendant 4 jours de dire bon, bah. Mais si tu suis les règles. Il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Quoi. Et depuis que je suis rentré, du coup, j'ai regardé d'autres documentaires dessus, un peu plus profonds, on va dire, que ceux de Vice, etc., qui encore une fois, ils vont en caméra cachée, mais qui filment ce qu'on a vu nous, en fait. Pour regarder un reportage de Vice ou d'enquête exclusive. Les photos que tu as faites, c'est les mêmes qu'ils vont faire. C'est la même chose. Critique pas Vice, hein, parce que on les aime bien. Voilà, non, mais le circuit est le même, en fait. Ouais, bien sûr. Tu vois. Mais tu as d'autres documentaires où c'est plutôt les réfugiés nord-coréens, et là où tu vois une autre réalité, la vraie réalité du pays. Et là, en fait, je me dis, en fait, c'est encore pire que ce que je pensais. Sauf que ça, ils sont super forts parce que tu le vois pas, quoi. Ils sont super forts. Ils te montrent ce qu'ils ont envie de te montrer, ils savent très bien ce qu'ils. Ils acceptent de te montrer une part de pauvreté aussi, quelque part. Parce que quand tu vas dans le sud, à Caisson, tu vois la pauvreté. Donc. Même si c'est une ville, tu le sens quand même assez bon, mais tu sens quand même que c'est pas Pyongyang non plus. Ouais.
ils se disent, tiens, ils ont vu notre version de la pauvreté, en fait. Même pour ça, ils sont... Et ça permet peut-être aussi de remettre en avant Pyongyang. Et derrière, ouais, mais attends, quand on est revenu à Pyongyang, pour nous, c'était déjà Disney, hein, on était trop contents. Hein. On était trop contents de revenir. On voyait la ville, on voyait des voitures, on voyait... Pour descendre dans le sud, on a peut-être croisé 10-15 voitures, quoi. On a fait 2 heures de route, on a croisé, sur une 4 voies, 10-15 voitures. Ouais. C'est... Bon, 4 jours un petit peu hors du temps, peut-être un peu cher, mais au final que tu proposes à tout le monde d'y aller. Et ouais, cette expérience, parce que ça permet de relativiser sur ta vie au quotidien. Et... Ouais, c'est... non, c'est sûr. En fait, tu mesures la chance que tu as de pouvoir faire ce que tu veux dans la vie. Ouais. Ça, c'est déjà de penser par toi-même, enfin, même si on est dans une société où voilà, on a des défauts, hein, tout n'est pas parfait, mais je pense qu'on n'est pas là pour parler de ça. Mais non, tu te dis que c'est des gens qui sont pas malheureux. Je m'entends pas malheureux. Je pense que dans ces pays-là, il n'y a pas de dépression. D'ailleurs, c'est marrant parce que. Ouais, mais t'en sais rien. Non, parce qu'en fait, chacun. T'as un travail, en fait, on te dit tu fais ça, t'as pas de souci, tu nais, tu vis pour l'État, tu meurs pour l'État. Une fois que t'as fini, tu meurs, quoi. C'est-à-dire que je donne un truc très très con, mais sur cette fameuse autoroute, il y a des bretelles d'accès tous les 20, 30 km. Tous les 20 ou 30 km, il y a un policier qui fait la circulation, qui est planté, et qui fait la circulation à la bretelle. Ouais. Sauf qu'il fait la circulation pour personne. Mais quand je dis personne, c'est personne. C'est, tu vas dans le coin le plus paumé de la France, c'est comme si je te disais, je te mets un plancton dans vraiment l'intersection la plus paumée de la France. Et s'il y en a là, il y en a ailleurs. Mais en gros, tout le monde a un travail. Donc tu te dis pas, tiens, demain, j'ai la précarité de l'emploi, ou etc. Quoi. Mais après, tu relativises et tu te dis, mais super comme emploi. Mais ils ont rien, ils vivent de rien et tout, donc ça c'est autre chose. Maintenant, je pense qu'ils sont pas prêts à. Ils sont pas prêts à ce que les frontières s'ouvrent. C'est-à-dire que c'est pas leur intérêt. Moi je vois mal comment ils. Là ouais, là il va y avoir. On le verra avec Cuba éventuellement, lorsque vraiment ça va s'ouvrir. Eux c'est pas du tout la même réalité. Ouais, voilà. Si le pays est très pauvre. Mais ils savent ce que c'est en Amérique. Enfin, ils ont quand même. Ils ont quand même la possibilité de voir ce qui se passe un peu ailleurs, mais dès qu'ils regardent un peu ailleurs, ils se font taper aussi sur les doigts. C'est très particulier, mais c'est entre les deux, on va dire. Là, et si je te ramène Katy Perry, un CD de Katy Perry, un Nord-Coréen qui a un CD de musique américaine, il va au mieux, il se fait exécuter. Ou au pire, il se fait torturer. Au pire, il va en camp de travail, et puis il meurt de faim ou bouffé par les rats, ou parce que c'est vraiment ça. Il y a quand même 2 ou 3 Nord-Coréens qui se sont échappés de ces camps-là. C'est les camps nazis, hein, on y est, hein, donc tu te dis que ouais, le mieux c'est encore que le gars se fasse face au peloton et tout, quoi. Tous ceux qui essaient de s'échapper de ce pays et qui reviennent certains se font exécuter et d'autres font un an, 2 ans, 3 ans de temps de travail s'ils en ressortent. Et on verra bien l'évolution au final. Dans 40 ans, quand tu auras 40 ans, ouais, tu retourneras avec tes potes. Mais c'est sûr que si un jour ils n'ont pas déclaré la guerre d'ici là, ils vont faire de l'argent, hein, parce qu'on a des choses à visiter. Hein. C'est comme si je te disais, tu vas dans le Moscou des années 40 et sauf que tout est intact, tout est beau, tout est propre. Alors ça, il n'y a pas à dire. Dans ma capitale, tout est parfait en fait. Les fleurs sont taillées, c'est fou. C'est fou. Ah. Même nos bâtiments ne sont pas aussi à Paris, ne sont pas aussi bien entretenus. Hein. C'est incroyable. Voilà, si vous avez envie d'aller le voir par vous-même, moi je dis que ça vaut le coup. Maintenant faut accepter qu'on y aller sans se disant moi j'y changerai rien. Ouais. Et moi j'invite tout le monde à aller voir ton Tumblr. Ouais. J'invite tout le monde à discuter avec toi sur Twitter. Avec si il y a des questions, et j'invite tout le monde à vivre cette expérience. Pourquoi pas aussi moi, pourquoi pas y aller, parce que c'est toujours intéressant. Et on se dit une prochaine fois. Revenir. Bah ouais, on se dit revenir surtout. En tout cas, merci Sacha. T'en prie. À plus tard. À bientôt. Ciao. Salut.